Bana mboka ya Congo mbote. Bonjour à vous tous qui êtes au pays. Na bino nyoso bozali na bamboka ya bapaya to ya mipaya. Je voudrais brièvement parler sur deux points seulement. L'affront médiatique au business de Salaka, et surtout la conférence au Takiko Salaman à Paris, et puis la multiplicité naba site nakati à YouTube, naba moteur y a bien information mususu. Une fois encore, merci. Mes très sincères félicitations vont directement à mon compatriote Honoré Nkbanda, qui a pris l'initiative avec notre appareco de réunir les Congolais dans la salle majestueuse à Paris où se réunissent les sénateurs. Je félicite également tous les intervenants, entre autres Kerwin Maïzo, dont la présentation a été extrêmement brillante, et d'autres qui ont suivi après sa brillante présentation. Alors, Bande Konangaye, c'est très bien, Bilo Kotozo Sala, Bino Nabatumususu, non même Ngaye, Oyoto Salaka pour disséminer l'information, éclairer la lanterne de ceux-là qui ne comprennent pas ou de ceux-là qui offusquent la vérité sur la crise congolaise. Zali Malam. Kasisikoyo, il faut tout changer le fusil d'épaule, comme on dit en français. Je ne veux pas dire que Totika tenir ma conférence, je ne veux pas dire que Totika Koloba, parce que même à Tanga et Bozumanangawa, Nakotika Kolobate. Pendant ce temps, j'ai pris un petit recul pour avoir d'autres inspirations. Mais je pense qu'il faut Tobanda lutter Sikoyo contre les occupants. La communauté internationale est yébi ce que Bazoko Sala na Congo depuis que le Congo est Congo. Depuis que Mundele akota na Congo, bayebi ce qu'ils font d'une génération à l'autre, bayebi ce qu'ils font au Congo. Toutefois, ce n'est pas mal, ya ko kene ko yebi sa vérité wana. Mais c'est aussi mieux, ya ko sa batmo susoyo qui ne semble pas comprendre. Et ceux-là qui contorsionnent la vérité, qui troncaturent la vérité en disant autre chose, en faisant présenter la crise congolaise comme étant une rébellion interne au Congo, une crise interne au Congo, alors que le Congo est sous agression, et que Bayebi comment résoudre, comme l'a dit Kerwin, comment juridiquement, Bayebi comment résoudre un problème, il y a pays Oyo et Zali occupé. Parce que le Congo, s'ils doivent intervenir au Congo, et que la Kaka Congo, ils l'ont fait avec l'Europe à l'époque de l'invasion de beaucoup de pays européens par les nazis sous le leadership d'Hitler. Ils l'ont fait en Chine en 1935 et même bien avant ça. Les régimes fascistes de l'Empire japonais, Kotakana, province Yakomintern, la Chine, l'Amérique. Si l'Amérique avait bombardé la Chine, enfin le Japon, c'est parce que Badala qui a intérêt, Nakati à Chine, et puis, Bamonaïke, le Japon avait violé le droit international en occupant un territoire qui n'est pas le sien. Je ne veux pas m'étaler sur toutes les autres provinces ou les autres régions et d'autres pays que le Japon a occupé avec son fascisme à l'époque. Mais alors, cela étant, Bisognosu, tout ça là est fort, c'est quoi yo? Tout bundana bato yo physiquement. Parce que, bazo mona ke biso tozo banga bango. Mon frère Nkbanda, nabat mususu, bino bo sala na mobuto avant.
vous n'allez pas nous dire que vous n'avez pas tissé d'amitié avec nombreux diplomates de ce monde. Que Zali Kaka, une exclusive pour le Rwandais, les Ougandais, les Burundais, enfin nos agresseurs en général, Bangonde Bazalaka n'a accès à Bibundeli. C'est leur parole qui est mieux écoutée que nos paroles. Vous n'avez pas pu tisser de relation? Que Bissot, pour le moment, et que à travers toutes ces relations là-bas, Bissot peut tous voir Mindouki. Qui sont-ils pour que Bango, quand on que la Bango partout, que bâtir embargo sur le Congo, tous en a Mindouki? Nous ne sommes pas quand même des animaux de la ferme qu'on doit venir égorger à qui mieux mieux et que nous ne parvenons pas à nous défendre. Le fait que nous ne faisons que parler pendant que Bango va occuper Bissou Bazan à Bibondeli. Mais cette guerre, cette occupation ne se terminera jamais. Parce que l'occupant qui est soutenu par les vautours étrangers, va continuer aussi longtemps que nous ne serons pas le premier pays à nous défendre ou le premier pays sur qui la soi-disant communauté internationale a imposé un embargo de ne pas se procurer des armes. Même dans les articles, les clauses des Nations Unies et même la carte de la Convention à Genève, il est reconnu que chaque pays a droit à l'autodéfense. Et qui dit l'autodéfense, dit la procuration d'armes. Comment peut-on convaincre les Congolais que embargo depuis l'époque de Laurent Désiré Kabila, ils ont continué qu'à aboyer? Je ne pense pas que tous les Congolais épeurés qui ne peuvent pas prendre les armes. Si un pays encerclé tel que la Palestine par le tout-puissant Israël, qui est une continuité de l'Amérique au Moyen-Orient, agissant en tant qu'un des États, un des États des États-Unis, si la Palestine, j'allais donc dire, se défend et parvient à introduire des armes souterrainement en creusant des tronçons qui sortent de beaucoup d'endroits dans Palestine, malgré la surveillance satellitaire, la frontière naillée, les gens de Hezbollah et d'autres organisations qu'ils appellent terroristes, mais qui sont d'autodéfense palestinienne. Si elles parviennent, ces organisations parviennent à introduire des armes dans la Palestine pour se battre contre le tout-puissant Israël, qu'est-ce qui manque chez nous que tout le monde a organisation, tout le monde a ou tout le monde a bengana? Nous ne devons pas seulement rester des parleurs, rester loquaces comme ça, tenir des conférences, lancer nos messages sur YouTube, moto oyo a fandé libiso, a zoomé na kabiso que tu as basé naie. Alors, je lance cet appel à tous les Congolais. Dans le lobby, dans l'ingité que tout tika, je ne dis pas que toi tu as dénoncé. Je ne dis pas ça. C'est une arme, c'est un fond médiatique. Mais faisons un effort, bisopé, tout se procurer par arme. Mundele, c'est la grande Babylone dont on parle dans la Bible. C'est la prostituée, la grande Babylone. Azala kana chérité. Moutounio soit azana ba intérêt, aza chéri naïe. Mingi mingi bino ba mobutiste bozoa ba mbongo. Vraiment, vous êtes incapable de vous associer côté mbongo gauche droite to bana kosuma ba arme bana base à la former poto bana ko boma batoyo parce que ils ne vont jamais partir ce qui to bumi bangote. C'est un plaisir pour eux de nous tuer parce que nous ne nous défendons pas. Mais dès que nous commencerons à faire tomber des têtes,
Mais ils vont comprendre. C'est la loi du talion, comme on le dit dans la Bible. C'est œil pour œil, dent pour dent. C'est l'équilibre des forces. Et ceux-là qu'on appelle terroristes dans des pays arabes ne sont pas tellement des terroristes. Ce sont des gens qui se défendent et défendent leur patrie parce qu'ils sont humiliés et ils sont occupés. C'est l'unique façon de se défendre devant une puissance armée. Et c'est facile de tuer tous ces gens qui sont au Congo, tous nos agresseurs. Bozo qui n'a pas de bar, bozo qui n'a pas de restaurant. Certains parmi nous, bazaba garde du corps nabango, bazaba chauffeur nabango. Mais comment nous ne parvenons pas à imiter les autres qui ont été ou qui sont dans la même situation que nous? Que batbayo ko kipe biso, tozo ko talaka kabango, to betra mango maboko. To ke nega ba négociation, to ke nega ba dialogue, to ke nega ba sommet, yanini. Donc le point ici, c'est que Toluka n'a pas relation sur tout ça nabango, bozana yango, bino batbosa la diplomatie avant biso. Mais chercher une source d'approvisionnement en armes, ce n'est pas un péché, ce n'est pas une violation des articles des Nations Unies, parce que la Constitution elle-même, dans l'article 64, elle doit reconnaître que nous avons droit à nous défendre. Si le pouvoir est arraché par un groupe illégalement, tosu kaka kana kuloba, ba français te, ba mangala te, ba chiluba te, nous devons agir pratiquement. C'est de notre droit légitime et naturel de nous défendre. Et cessons d'invoquer Dieu, non, comme je le vois dans la plupart des YouTube, des sites, et là je vais aborder ce côté, où l'on demande aux Congolais, bo beta ma bolongo, bo bonde la kaka, bo se repentir, nzambe akoyoka. C'est pas ça. Il ne faut pas faire endormir les Congolais et les Lokanengwana. Prêchons un message comme je l'ai fait, un message de militantisme guerroyer, si je peux utiliser ce terme. Nous devons être des belliqueux comme ils sont. À la violence, on oppose une autre violence. On n'oppose pas la prière. Nous devons cesser de prêcher aux Congolais un message religieux. Les socialistes ont dit c'est de l'opium du peuple. Zali bangi ozo ko pesa moto amela alia pe ko la le saye. C'est de la drogue, la religion. C'est de la drogue. Ça fait endormir les gens. Donc, mes remerciements, je le répète, à tous les conférenciers de Paris et tous ceux-là qui se rencontrent partout. Mais dans ces conférences, dans ces forats, nous devons tout faire pour prêcher un message de libération armée, pas un message religieux, pas trop de Français inutiles. Nous devons tout faire pour armer, pour nous armer, nous tous. Deuxième point. Ezali point sur la multiplicité. Il y a un site. Il y a YouTube. Il y a un moteur Moussousou, Yahoo, Google, etc. Hotmail. Multiplicité à bas site. Na yebi ke moussala ezalite. Ezana katia mboka na biso, même à l'étranger, tout le monde a na bouloté. Ezake pa na biso ba noir, so ki moutou, abandi kamo eloko mouke, bato tout, il faut ba kopye, kaka eloko moutou moussousou abandi nango. Ezo mouna na katia ba salon, moutou akobanda salon, afongole kamo salon mougao. Oko mouna balabala nyosu, moto yo sa fongoli salon. Soki moto fongoli église wa balabala nyoso. Moto fongoli chaque moto a komi pasteur, chaque moto a komi prophète. Soki moto fongoli kama boutique wa moto tout a fongola ngo. C'est comme ça que nous sommes nous les noirs. Il y a manque d'inventivité. Il y a ko sala eloko mususu un peu différent na eloko moto mususu na sala. Je pense que quand on se fait appeler journaliste, d'après déontologie, il y a un journaliste, Bazali, la mission pédagogique d'abord, former,
éduqué, informé, etc. Mais au cas où il s'abisso, bisso ba observateur, et pas na bisso ba congolais. Chez nous, les Congolais, il suffit que quelqu'un s'empare des micros seulement, il devient journaliste. Même s'il n'a jamais été dans une école de journalisme, il devient journaliste, soit qu'il a eu micro, ou bien soit qu'il a eu caméra, a comme journaliste. Parce qu'il se crée l'emploi et il n'a pas honte de dire que non, Moussala Nangayo, Moussala Nini. Il y a YouTube, il y a Moussala. Tozo kota la batu mususu ya ba community mususu ya ba mboka mususu bazana ba site na bango mais so kota otali leur façon de présenter les émissions se descendent. Ce n'est pas la façon dont biso ba congolais tozo présenter ango. Il y a un point ou deux points à dire, quelqu'un va se mettre à citer tous les hommes, tous les insectes de la planète parce que alingi. À la fin, bato bazoko landa YouTube naye bakota mingi ba futa mbongo. Alors okoyeka bango abandi mos tso ka linga banda ben monsieur bokota hotel na Paris kota binu nyoso bozana Tokyo bokota na Australie bokota. Mais ce n'est pas ça que tu dois présenter aux yeux aussi et aux oreilles de la communauté internationale ou des téléspectateurs. Tu as un point à passer, mais va tout droit au but. Qui a besoin des noms des gens que tu cites? Ce n'est pas différent des pasteurs, ce n'est pas différent des musiciens. Votre rôle, ce n'est pas de distraire la population congolaise. Nous traversons une période difficile dans la vie de notre pays. On ne doit pas blaguer, on ne doit pas se mettre à blaguer. On ne doit pas se mettre à endormir les gens avec de la comédie devant les médias. Nous devons tous porter la carapace et la cuirasse des combattants. Ça signifie des soldats au front, pas des distracteurs. Et là, je m'adresse plus particulièrement na bana na biso ya basi, na basi na biso, na baser na biso. Et ça sonne pour la bino basi congolaise. Bino boza vous présenter mes missions sur YouTube. Et ça sonne, penza. C'est vous qui êtes les premières et les plus grandes victimes de cette occupation. Il a fallu que Bino soit la plus pédagogique, plus enseignante qu'aucune autre personne devant l'écran, devant les caméras. Malheureusement, ça a été un peu comme on a été. Ce n'est pas ce que nous voyons. Nombreuses parmi vous brûlent comme tout feu de bois, sans pudeur devant l'écran, devant la caméra. Nous sommes des Africains, hein? Nous sommes des Noirs. Nous avons quatre nabiso. Effet à pudeur, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout présenter. On vit et aussi tout le monde comme ça. Mais, si tu es toujours comme moi, tu as YouTube, il y a des gens qui sont là, ils sont là, ndenge ofiba goro ya mobali tokola kisabino koma ko craquer mobali. C'est quoi ça, des thèmes comme ça, des thèmes pour distraire les gens, dévier l'attention des gens pendant que nous sommes en guerre? Aussi au mona wapi où il y a une école où l'on montre aux gens comment basibana, aussi au mona wapi qui a déjà eu un diplôme, qui a déjà obtenu un PhD na kosibana. Que yo mwana ya moto penza ya mwasi okoya otele mi penza na écran au su micro ndenga za ngo ozomo kis ozomo kosa ngo na libolo devant l'écran alors que papa na yo zali quelque part, maman na zali quelque part, tante na zali quelque part,
baleki na yo bayana o bazoko tala yo obimi vedette pozo ko laksa bulumu na yo bona soni tebino. Ce que vous faites dans les églises, il y a beaucoup de choses devant les écrans. Pendant que les filles occidentales, ba mindele, bazoko luka koma, bata moussa ba avion, bata moussa ba bus, baza na kata ba laboratoire, bazoko inventé, baza ba médecin, bazali ba avocate, bino moussa na bino kaka, kidumba, baba la kabino na ba église, bozo botondi se ba église, po bozo luka mabala, ba chômeur, boumoula so le kibino. Au lieu de vous concentrer sur ce qui est essentiel, vous venez parler de quoi, pam, pam. Le sexe est allé naturel. Nani, papa, il y a un qui s'est mouassi, moi, n'en aïe que, bah, si, bah, nani. Nani, yango. Toyebi, dans certaines tribus, ceux qui m'ont mouassi à Balani, à Kenekena, bah, tante, n'aïe, tona, bah, coco, n'aïe quelque part, bah, qu'on l'a qui s'aïe. Mais c'est en cachette. Il y a des médias modernes qui ont fait ma boma, besoin de la banque, yo ton ngenini. Boya ko la xabi so bulumu na binu na ba écran. Boko mi ko bi mana ba vedette o émission sans tabou. Mais ça se blesser la culture, hein. Se blesser la culture. Alors, tu sais que la binou, botan bo la kasiko bulumu, bo la takaba kalesson susite, bo la takaba soutien susite, bo la takaba maputa na barobe susite, botan bo la ka bulumu net mindele. O le boya kana ekra, bo na kaleso, boya ko la kusabino, ko la kusabiso, votre nudité, to ko respecter binou ndenge nini. Nani yo akobala mwasi o basi bamuni bulumu na ye. Nani. Vous êtes en train de vous réduire au niveau de zéro. Une maman congolaise ne peut pas agir comme ça. Même à tous en Ndumba yango, au koya na écran au lac sabulumu na yo. Vous venez parler de quoi? Est-ce que c'est ce qui plaît aux Congolais, les Congolais qui ont endeuillé pendant une vingtaine d'années au lieu binu boya kana ba émission comment kokombola ndako? Comment kokipe libala na yo? Comment kosokola mwana na yo? Comment ko balayer ndako? Comment kolamba biloko ya kolia? Comment qu'on entretenir relation nayo na famille mobali relation ya mobali na famille nayo c'est ce qu'il faut dire comment qu'on kata bilanga comment qu'on kende na école kotanga pour ajouter un plus na eloko mobala zo ko yena ndako au lieu bozala toujours une charge sociale et pas mibali boka kotone sa église pour bozolo ka boka ndeko sambela te boka ndeko luka mabala po butuli bozole kana na écran bolak sa bulumu na qui a besoin de ça en cette période où nous devons nous battre bino basi na biso bino bana na biso bino baser na biso. Écoutez, à l'époque quand l'Amérique est allée attaquer le Vietnam à cause de son pétrole, mais renseignez-vous, ce sont les femmes qui ont joué un grand rôle. Basi bazale ko kote sa minduki nakati ya bitunga na bango o bazo kokomba bakuni nakati toba bauti na bilanga bazwi biloko bakoti minduki nakati poba kene kolesa bato bazana nakati ya front.